Bonjour du 3 décembre 2022. Bienvenue sur cette chaîne. Je suis Anne de la chaîne Anna Noudel et vous pouvez me retrouver sous le pseudo Anna Noudel également sur Instagram et Ravelry. Et ici, je vous parle de tricot. Et là, aujourd'hui, 3 décembre, il me semble avoir plein de choses à vous raconter. Mais je vais commencer par vous partager le petit cadeau que j'ai reçu ce matin dans mon calendrier de l'Avent préparé par ma tricopine. Regardez ce qu'elle m'a offert. D'abord, elle m'a offert, mais d'abord je vous montre ce qu'il y a dedans. D'adorables anneaux marqueurs en forme de cœur qu'elle a rangés, enfin elle me les a offerts séparément, mais je les ai rangés dans une petite boîte en forme de macaron. Oh, c'est trop mignon. Voilà, merci ma copine. Donc voilà, j'ai reçu ça et il y avait aussi un petit ravioli qui sent bon, voilà, pour mettre au milieu de mes laines. Et donc je vais le mettre dans mon sac à projet avec ma chaussette de Noël, parce que la laine avec laquelle je tricote ma chaussette de Noël m'a été offerte par ma tricopine Valérie l'année dernière dans mon calendrier de l'Avent. Donc voilà, je les mets ensemble. Donc voilà, mais je vais vous la montrer juste après ma chaussette de Noël. Donc j'attendrai de prendre le sac à projet à ce moment-là. Aujourd'hui, je vais ouvrir le petit paquet numéro 3 de mon calendrier de l'Avent fait par moi-même. Donc, pour rappel, sur une idée de Petit Pimousse 02, Caro, j'ai emballé mes restes de laine, voilà, pour me faire un calendrier de l'Avent laineux et me tricoter un projet. Et comme on a fait ça, mon amie Valérie et moi, on l'a fait toutes les deux et on a choisi cette année de tricoter ensemble l'écharpe Pythagore, qui, pour rappel, est un patron de Marie-Christine Lévesque, qui se tricote en 26 sections. Et donc, notre calendrier de l'Avent sera aussi un petit peu plus long que la normale, puisqu'on ira jusqu'au 26 décembre. Mais voilà. Toujours est-il qu'aujourd'hui, je déballe encore de la Nordotrops. Cette fois, je ne sais pas, vous n'allez pas la voir, c'est la rose pâle. Voilà, et cette fois-ci, c'est quand même un reste, parce que j'ai 40 grammes. Voilà, et je vous montre ce que j'ai tricoté hier. Hier, j'ai tricoté le triangle gris, voilà. Et donc, aujourd'hui, je vais ajouter, voilà, je vais ajouter le rose, mais je n'ai pas encore regardé. Je n'ai pas encore regardé... où il fallait relever les mailles, etc. Donc, je ferai ça après vous avoir quitté. Voilà. Donc, ça, c'est pour le calendrier de l'Avent façon Petit Pimousse 02. Ou calendrier de l'Avent fait maison, comme on veut. Alors, hier, je me suis offert un début d'après-midi extraordinaire. Je suis allée aux journées porte ouverte de Nathalie by Night Création. Et donc, il faut que vous sachiez que je ne suis jamais de ma vie allée dans un salon laineux. Voilà, donc je ne sais pas ce que c'est les grands salons laineux. Donc pour moi, c'était la première fois que j'allais à la rencontre de teinturières indépendantes. Elles étaient trois, parce qu'il y a Nathalie, la fée Phil et Trélise. Et voilà, alors j'avais un petit budget, hein. Je n'avais pas un budget énorme, mais je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Je coupe 2 secondes parce que je voudrais bien défaire les emballages pour ne pas faire de bruit agressif pour les oreilles. Je reviens. Alors, j'ai eu un coup de foudre et donc je me suis fait plaisir avec un lot de 5 mini de 20 grammes
Alors, vous les voyez, les oranges sont un peu trop vifs par rapport à la réalité. Ils sont plus passés, plus doux. Voilà. Mais là, c'est le matin, la lumière, de toute façon, j'ai essayé avec plus de lumière, moins de lumière, ça change rien. Et puis, alors, il y a un bleu ciel et un bleu agrémenté d'orange. Je ne sais pas du tout ce que je vais en faire. Et c'est pas grave du tout, on verra bien. Je me laisserai inspirer par un projet à un moment donné. Mais toujours est-il que j'ai vraiment beaucoup aimé ce petit combo. Voilà. Alors sinon, j'allais avec l'idée très précise de m'acheter ça. Alors, c'est sa qualité. Comète, 100% coridel, et c'est le coloris Campêche. Bon, évidemment, ah ben, il est plus violet. Là, vous le voyez bordeaux, mais en fait, il est plus violet. On voit, la couleur est déjà un peu meilleure de ce côté-là. Voilà. Et je voulais absolument acheter ça parce que je voulais me faire une paire de chaussettes, parce que Nathalie dit que la comète, donc le coridel, convient bien pour se faire des chaussettes. Donc c'est un fil qui n'est pas super wash et donc il n'y a pas de nylon non plus. Donc c'est vraiment une laine tout à fait naturelle et dans laquelle je vais me faire une paire de chaussettes et je voilà. Probablement je la ferai avec un peu de jacquard dans le cadre du cal Jack Socks 2023 que j'organise à partir du 1er janvier et qui consistera à tricoter des chaussettes en jacquard, peu importe le nombre, peu importe les modèles, tout ce qui compte c'est de tricoter des chaussettes en jacquard. Si ça vous dit de venir nous rejoindre, n'hésitez pas à m'envoyer un message privé sur Instagram. Alors, parce que tout se passe sur Instagram. Alors, j'ai aussi beaucoup regardé les laines de La Féfile. Elle a des couleurs extraordinaires, mais vraiment fabuleuses. Bon, j'ai filmé des images de l'installation chez Nathalie. Vous les verrez en fin de vidéo, je vous les mettrai. Donc, j'ai vraiment. Mais mon budget était trop serré, je pouvais pas acheter des échevaux chez les trois. Et chez Trélise, j'ai trouvé un écheveau que je vous montre. Ah, ben là, vous avez la bonne couleur. Presque. Il est à. Il tire un tout petit peu plus sur le rose. Oui, c'est ça. Vous le voyez un peu trop brun. Et en fait, il tire plus sur le violet. C'est de la déca. Et c'est pour aller dans mon sol de tonnage. Voilà. J'avais envie d'ajouter une couleur, un rose un peu chaud comme ça. Voilà. Alors, pour vous dire, c'est de là. Extra fine mérino, soie et stellina. Et la couleur, c'est Bluebird. Oui, Bluebird. Donc je suppose, je ne sais pas, Bird, je ne sais pas ce que c'est en anglais. Voilà. Donc ça, ce sont les achats. Nathalie m'a rangé tout ça dans un superbe pochon. Donc ça, c'est pour mon après-midi d'hier. C'était très agréable, très feutré. J'y suis allée avec mon époux et nous étions juste nous deux. Vous n'imaginez pas, c'était fabuleux. Juste nous deux. Et puis, il y avait Mathieu, dont j'ai oublié, je crois que c'est Mathieu son prénom, dont j'ai oublié le nom de famille, qui est designer, et qui avait mis ses châles et des designs. Des Alors, qui m'a vraiment. J'ai vraiment été conquise par par le rendu des points. J'ai fait une photo, une photo, j'ai peut-être. Oui, j'ai fait une photo avec le nom du patron aussi sur le châle. Je la incrusterai dans la petite vidéo que je mettrai à la fin. Ça, c'était ma petite sortie chez Nathalie. C'était un moment très très agréable. Accueil chaleureux,
On a reçu un café pour mon époux, un thé pour moi. Enfin voilà, c'était chaleureux. C'était parfaitement, je trouve, dans l'atmosphère que j'apprécie dans l'avant. Alors, j'ai tricoté, bien sûr, le petit triangle que je vous ai montré tout à l'heure, mais j'ai aussi avancé mes chaussettes de Noël que vous n'avez pas encore vues et que je vous montre. Donc, les chaussettes en cours, c'est pas toujours smart, hein? Voilà. Hop, comme ça. Voilà, j'en suis là. Donc, c'est un fil de chez Hobby que j'ai reçu l'an dernier. Donc, je ne sais pas s'ils le font encore cette année. Dans mon calendrier de l'Avent, de la part de ma copine Valérie. Donc, c'est de la Christmas Sockwool Glitter. Et j'adore ces couleurs. Donc, vous avez un vert un peu jaune, un très beau kaki. Un rouge, mais pas du tout agressif, un rouge plutôt doux, un peu brique comme ça. Un rose pâle, et puis ça recommence. Le tout avec un fil doré. Et donc, voilà, ça brille bien. Voilà, sur la pelote, ça ressemble à ça. Et donc, c'est une grosse pelote de 100 grammes et j'ai très, très envie d'aller au bout de ma laine. Ce qu'il y a, c'est que je suis en train de me demander si ça va être possible. Parce que là, elle m'arrive déjà presque à une hauteur. C'est presque une hauteur de chaussette classique, quoi. Et il me reste quand même encore énormément de fil. Donc, je vais peser et je vais voir. Mais j'avais envie de me faire une paire de chaussettes que je pouvais... doubler ou tripler sur la cheville, vous voyez ce que je veux dire, ou déployer sur la jambe, voilà, une vraie paire de chaussettes bien chaudes pour Noël. Voilà, voilà mes avancées, enfin mes avancées, vous ne savez pas parce que je ne savais pas où j'en étais avant, puisque c'est la première fois que je vous la montre, mais je vais quand même mettre le Progress Keeper que j'avais mis là pour voir le début du rang, je vais le remettre ici. Tout au-dessus, comme ça vous allez pouvoir voir. Hop. Donc je les ai essayés hier, nickel, parfait, tout se passe bien, je n'ai plus qu'à dérouler. Alors je fais la tige en côte de deux, j'aime bien parce que ça épouse bien la forme de la jambe sans serrer, donc je trouve ça très agréable. Voilà. Alors, hier, j'ai lu la deuxième petite histoire dans mon livre de l'Avent sur de 25 comédies romantiques de l'Avent, quelque chose comme ça. Enfin, je vous remets la photo. Et j'ai beaucoup aimé. Voilà, c'était différent, enfin, mais c'était très sympa. Voilà, c'est un peu... oui, ce sont... des petites histoires qui font vraiment des comédies romantiques, quoi. Mais c'était tout mignon. Donc, voilà, j'ai beaucoup aimé. Je valide donc la deuxième histoire. Et je continue à vous recommander ce livre que je trouve très agréable. Et c'est vraiment chouette. En tout cas, moi, je lis juste avant de m'endormir. Et je trouve que c'est vraiment chouette. De s'endormir juste après avoir lu une histoire aussi charmante. Voilà. Eh bien, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je m'en vais aller tricoter. Je pense que c'est encore un triangle aujourd'hui. Et je vous retrouve demain, bien sûr, pour le quatrième jour. Et je vous insère quelques images tournées hier chez Nathalie pour finir cette vidéo. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Ne manquez pas de dire aux gens que vous aimez, que vous les aimez. Et vivez une magnifique journée. À demain.